L'expérience de la vie en société a montré partout dans le monde que la parole de l'homme politique, tout comme son action, a un impact sur l'harmonie de la cité. D'un point de vue définitionnel, le leader, dans tous les cas, c'est la personne qui a pignon sur les autres et est capable de drainer des foules. Or, cette influence sur les hommes de la cité n'est pas sans conséquences négatives. En termes d'illustration, les opposants africains qui pour la plupart du temps pratiquent une opposition mécanique n'hésitent pas à engager leurs militants dans la rue sur fond d'érection des barricades et de pillages des boutiques et édifices publics, voire même privés. Voilà qui témoigne de la dangerosité, de l'imprudence ou de l'indélicatesse du leader politique. Les jeunes se souviendront que les enfants de ses opposants sont toujours protégés s'ils le sont aux études en Occident. Vu que leur prise de position a forcément un impact sur l'harmonie de la cité, ces hommes politiques, particulièrement les opposants, ont intérêt à veiller à la justesse de leurs déclarations en public. Toutefois, il y a lieu de noter aussi que les gouvernants ou ceux qui sont à l'exécutif sont des politiques. Ainsi, leurs paroles et leurs actions influencent aussi l'harmonie de la cité. De ce point de vue, ces derniers doivent également s'assurer que les décisions qu'ils prennent sont d'intérêt public et donc rencontrent l'assentiment des populations qui leur apportent généralement leur suffrage. De mauvaises décisions, voire des options impopulaires, de la part de ces gouvernants, sont de nature à troubler la quiétude et l'ordre public. Ainsi, le leader politique, au-delà des invectives et critiques acerbes, doit être mû par la sagesse, car sa parole et ses actes ne sont pas sans incidence sur l'harmonie de la cité.